Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du pistolet laser rouge. Alors pour débloquer ce pistolet, vous allez devoir faire le pack-a-punch. Si vous ne savez pas comment faire le pack-a-punch, une playlist est en description avec tous les tutos de Alpha Omega, donc n'hésitez pas à les check si jamais ça vous intéresse. Ensuite vous aurez besoin du coup de poing taser qui se trouve en face de la maison jaune dans le camion. Quand vous avez activé le pack-a-punch, ce que vous devez faire c'est passer la manche pour parler à l'ordinateur Rushmore. Quand vous lui avez parlé, attendez qu'il finisse de parler et ensuite une télé s'allumera dans le bunker. Il y a 4 emplacements possibles pour cette télé. Il y a un emplacement à la cafétéria, 2 emplacements au quartier et un emplacement dans le salon. Ce que vous devez faire, c'est tuer un zombie devant cette télé avec le coup de poing taser. À ce moment-là, la télé va s'allumer et va vous donner des codes que vous allez devoir noter. Si vous n'avez pas eu le temps de les noter, vous pouvez toujours réinteragir avec la télé en appuyant sur carré pour qu'elle vous répète les codes. Quand vous avez noté ces codes, vous allez devoir aller régler 5 horloges. Alors je vous explique comment ça marche. Il y a 6 maisons dans la map et la télé vous a donné 5 lettres avec 5 codes. Par exemple, dans mon gameplay, j'ai la lettre C avec 0645. Alors ce code correspond à la maison avec la boîte aux lettres C. Et dans cette maison, je vais devoir régler l'horloge sur 6h45. Alors pour régler cette horloge, vous devez appuyer sur carré pour avancer de 15 minutes et vous pouvez cutter pour avancer de heure par heure. Vous devez régler les 5 horloges des 5 maisons dans l'ordre que la télé vous les a dit. Donc si elle a dit C puis D, c'est la maison C puis la maison D puis la maison E dans l'ordre qu'elle vous l'a dit. Quand vous avez réglé les 5 horloges des 5 maisons, il restera une maison que vous n'avez pas réglé l'horloge. À ce moment-là, vous allez devoir aller dans cette dernière maison et appuyer sur carré pour qu'elle vous affiche l'heure. Alors cette heure-là, vous allez devoir le noter à l'ordinateur Rushmore. Donc s'il est marqué 7 heures, vous allez taper 0700 sur l'ordinateur Rushmore. Ensuite, Rushmore va parler et à ce moment-là, vous pourrez aller à l'étage supérieur pour récupérer le pistolet laser. Alors j'ai essayé d'améliorer ce pistolet laser et en fait il n'est pas améliorable au pack-a-punch. Donc vous aurez le pistolet laser marque 2 qui contient plus ou moins 300 munitions. Alors il faut savoir que si vous échangez cette arme contre une arme au mur, vous allez la perdre. Je ne sais pas comment la récupérer. J'ai essayé de faire des boîtes mais je ne l'ai pas récupérée. Donc peut-être que vous pourrez la récupérer dans la boîte, mais j'ai essayé, j'ai fait une dizaine de boîtes et je n'ai pas récupéré le pistolet laser. Alors si quelqu'un a su récupérer le pistolet laser dans la boîte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo mec et ciao. Peace.